test du Max avec le moteur de 42, je te le montre, de 40-76 surpasse. Qui rentre tout juste. Ça de la foutue du sable. Hop là. Et on va faire ça sur la playa. C'est qui a cassé son véhicule? Ouais, oh, ça va. L'autre. Donc on est un pignon de 21. Donc normalement 2200 kV. 2200 kV. Normalement en vitesse de pointe, je suis un chouille moindre qu'avant. Oh. Mais ça suffit large. Ça fait ça la vitesse de pointe. Ça va très bien pour Pierrot, puis ça, moi ça me touche aussi. Oui, oui. Voilà à quoi ça sert le. À quoi ça sert d'augmenter la garde au sol. Ça prend. Voilà. Ça reste collé. Alors ça n'a aucun intérêt pour faire du plat, c'est vrai que dans le terrain défoncé, la voiture est super stable. Papa, faut juste lui laisser un petit gaz. Hein? Ah ouais. Petit filet de gaz, un peu de sable, c'est vrai que c'est pas très accrocheur. Pas très... Là on est sur de l'air mouillé, donc ça va pas non plus être super représentatif de ce que je dis comme de stabilité, mais tu vois quand même. Que ça demande un petit peu de doigté, effectivement tu gardes des gaz. C'est un MT hein, tu vois, il y a toujours la roue, tu la vois la roue intérieure qui se lève, donc effectivement eh ben, tu ralentis, tu évites de flinguer ta roue. Ouing. Donc moi je suis assez fan de cette... Je trouve qu'il a une belle gueule avec ce carreau. Ça fait vraiment l'automatique. Fait son petit 70, voilà. Moi j'aime bien, c'est une vitesse en TT que j'aime bien parce que c'est tranquille, voilà. T'as de la pêche pour faire ce que tu veux. Voilà, t'as de la pêche pour faire ce que tu veux. En figure, ça doit passer. Voilà, j'ai pas de gros jump à dispo. On va essayer de voir ça. Tu vois comme il travaille bien dans les coffres, dans les trous, la suspension. J'ai un cardan, quelque chose dans mes cardans. Non, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut le faire.
Voilà, ça m'a un peu de feeling, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est... Alors quand vous faites la modification, n'oubliez pas de bien retarder vers le haut, au minimum en fait, vos suspettes. Du coup, vous retrouvez quasiment avec la garde au sol, on va dire non dynamique, non modifiée. Par contre, vous avez un centimètre de plus. Vous avez un centimètre de plus pour prendre vos obstacles. Voilà. Ouh là 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 là. Ne conneries, ne pas faire de conneries. Hein Nico, tu fais pas de bêtises là. Ah, premier retournement. Voilà, voilà, bon, bah c'est un monster track. It's a monster track. Et après, ça va être le petit qui va le faire. Oui. Donc là, voilà, lui, je le touche plus. Peut-être, dernière modification, mais ça fera pas l'objet de... Un truc fou, hein, c'est éventuellement quand le cerveau crame, passer par un JX 35 kg. T'enlèves pas tes chaussures, il fait moins 10 degrés, t'es malade ou quoi? Tu vas être malade. Wow. Un petit saut. Donc voilà, jour où le cerveau crame, on prendra le panier. Voilà. On prendra le panier, le cerveau JX, et puis voilà. Là-dessus, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Moi, il me convient bien. Un Pierrot, ça lui apprend un peu de temps en finesse. Il est un peu plus haut. C'est pas un truc. Ça demande un peu de finesse, les amis. Et avec le carreau de cheville, là, c'est 10. Elle est trop belle. Et franchement, il a la wash, le petit moteur. C'est 30€, 30-35 euros. Mon fils est pieds nus. C'est normal, ça. Pierrot, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais tu vas être malade. Oh là 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 là, lui. Sa mère va me tuer. Vous le savez, ça. Ouais, vous le savez tous. Alors, vous ne pourrez pas le dire, hein, mais j'ai fait une connerie. Je devais essayer le vieux. Enfin, voilà. Salut. Salut, toi aussi, t'es pieds nus. Voilà. Ouais, c'est déjà mieux, on va dire ça comme ça. Ouais, j'étais venu ici pour le tester. Parce que c'est cool, voilà. Et ben, j'ai fait une connerie. Et par marche arrière, j'ai tué le pont. Ouais. Ah, c'est bon, les monster trucks. Ouais. Bouge pas Simon hein. Donc c'est vrai qu'il déleste un peu de l'avant. Ça je pense que on va peut-être lui mettre un tout petit peu de plomb pour que je teste. Ou changer la configuration, mais c'est vrai qu'il déleste facilement de l'avant. Là, il s'est fait chauffer. Là, il s'est fait chauffer. Voilà. Allez. Non, voilà, c'est le petit jouet. Puis moi, je vais essayer de maîtriser pour pas qu'ils aillent dans l'eau. Alors, juste, voilà, vous avez vu qu'on n'a pas économisé le truc. Juste voir au niveau chauffe ce que ça dit. Bon, il fait pas chaud ici. De toute façon, il doit faire 5-10 degrés. Avec la ventilation que j'ai laissée. En simplement la retournant. Pas chaud du tout, c'est une bonne config. Je pense que là en été on est tranquille canaillou. Je
sais pas, j'ai mis un verre de chaussettes. Je sais pas, j'ai mis un verre de chaussettes. Non, tu enlèves pas tes chaussettes. Boum. Eh, c'est moi qui l'avais posé. Hop là. On va être là. Caron. Hop là. C'est à toi. Donc voilà. Allez, maintenant, bon après-midi. Ciao.